capable de mettre les gens chita ensemble pour garder comme un renforcer ça, le capital social. Il faut comprendre que le pays a sorti d'une élection qui est trop longue, plus de 20 mois à bataille, à jouer, trois la déchirer. Donc, en ce sens, faut comment que le ta capable de dire aux gens qui perdurent, nous avons une place nous là et comment nous allons gérer tout ça. Pas oublier que c'est seulement 20% de la population qui participait à l'élection présidentielle. Monsieur Pagé, 600 000 voix, l'inférieur à nombre de voix que Michel Martelly a gagné le président. Il y a moins de voix que Steven Benoît, le tap sénateur du département de l'Ouest. Donc, il faut regarder cette statistique-là, pas simplement pour regarder la valeur du monde qui est dans le monde. C'est pour regarder exactement où 57% gagne. Oui, quel est le pourcentage de monde tu vois, de manière absolue, qui nombre de monde qui vote. Donc, ça, en pile, on ne comprendre et M. Maurice est supposé comprendre ça pour essayer de regarder comment vous regroupez le monde, même si PHTK a dit qu'il y a une majorité au niveau du Parlement, on compte sa majorité, ça, on le dit. On a regardé preuve là, on va discuter ça tout à l'heure. Donc voilà la principale, on est capable de dire priorité du président de la République. Mettez mon titre ensemble, on regarde comment on a fait mon gouvernement, pas le gouvernement d'une nation, pas ça lié. Mais il faut rassurer mon yo pour être capable d'avancer. Lorsqu'on finit ça, on a parlé de. Ok, bon, on a sorti, bon, ça c'est la principale priorité, mais ça n'a pas empêché que. Il y a des défis économiques vraiment énormes qui attendent l'équipe au pouvoir. Un bon chiffre, un chiffre très simple. Nous avons un budget qui est estimé à peu près à 122 milliards de gouttes. 122 milliards de gouttes, qu'on a été voir à peu près 2 milliards de dollars américains. Je dis à la dollars américains, presque 70 gouttes. 70 gouttes, vous voulez dire ça, vous gagnez moins que 2 milliards de dollars américains de budget pour une population qui gagne 11 millions d'habitants. Donc, vous êtes capable d'avoir une idée que comme ça, pas capable d'arriver à résoudre les grands défis. Et pas oublier que le 3 octobre, pour le 24 octobre, le choc Mathieu et le gouvernement privé l'a dit comme ça que nous avons perdu 2,8 milliards de dollars américains, qui voulait dire 32% du produit intérieur brut d'Haïti. Choc ça a été minimisé, mais nous ne pouvons pas recevoir l'argent de l'extérieur, comme l'économie nationale, là, pour nous être capable de relancer l'économie nationale. Là. Donc, tu es supposé, je vous dis, il y a un travail sur ça, on est capable de un budget rectificatif. C'est peut-être ça que le Banque mondiale de ça que ils font une révision du produit intérieur brut là, parce que le gouvernement, lorsqu'il a fait le budget, il était bas potentialité de croissance là. En septembre 2016, nous avons un quad de 2,2%, qui est trop faible. Mais choc là, ramener le gouvernement fait une modification, il dit 1,1%. Le Banque mondiale prévoit lui-même pour 2016-2017. De octobre 2016 à 30 septembre 2017, l'économie a contracté de moins 0,6%. Les chiffres sont là. Donc, en ce sens, le gouvernement aurait dû mettre, ça n'est pas capable, un programme de choc pour reprendre l'économie, pour nous passer à plus de 1%. Inflation rapprochée de 15%. En rythme mensuel de 1%. Taux de change là, pas jamais suspendu. Baisser et monter la montée, la rapprocher 70 boules. Donc, là, on regarde un cocktail comme ça, seul bagage qui est plus ou moins. On est capable de monter l'espoir, comme caméra vous avez dit, c'est 2 milliards de dollars qui passaient à plus que 2 milliards l'année dernière et on prévoit le cas continuer. Mais le reste de l'économie, c'est une économie qui est en embourse, ce qui est un choc. On a parlé de 20 mois d'élection, ralentissement de l'économie, choc politique, de ça, désastre naturel avec. Choc politique, je l'explique déjà dans Boston, c'est deux grands problèmes que l'économie haïtienne a gagné. Et je vous dis à la, le gouvernement a monté le 7 février, ça a été priorité malheureusement, c'est le carnaval. Et nous ne pouvons jamais entendre le gouvernement mettre un budget rectificatif pour le déposer dans le Parlement pour le plus tôt possible avancer. Nous avons le mois de mars là, qui veut dire nous avons le sixième mois de l'exercice fiscal. Il dit match là, premier mi-temps, où censé y a mené sur vous par 5 à 0. Avec choc mature, il aime ajouter tout problème que nous avons avec l'instabilité politique là. Donc, vous êtes supposé, si vous avez 5 à 0, donc deuxième mi-temps, il faudrait commencer à aborder. Donc, pourquoi même prendre une décision pour le deuxième mi-temps? Ou est-ce que l'on a investi, ou ce n'est pas des football qu'on a parlé. Donc, c'est très dangereux et je pense que le gouvernement est supposé, au lieu de concentrer sur le carnaval, faire tout le carnaval, ça, c'est pour nous regarder comment le budget rectificatif est en place. Oui, mais dans le budget rectificatif, ça, pas de choix. Et... D'accord, dit extrême, il n'y a pas de gain pour le faire, surtout, d'accord, dit pour ta
diminuer les dépenses. Mais compte tenu du problème qui gagne dans le pays, ça, qui genre va limiter les dépenses pour ne pas aller au-delà de ça, ou même au capable l'État, ni même de rentrer, sans pas créer des crises dans le cadre social dans le pays. Ou pas diminuer les dépenses de fonctionnement réel. Mm-hmm. D'ailleurs, comment on va le passer? On va voir que l'année que vous souhaitez faire transition là, vous voulez dire que ça, il y a une masse de monde qui est entré dans le secteur public là. Un an. Je dis à 2017, toute vague qui était là et qui derrière M. Moïse là, va le besoin de tourner tout. Donc, dépenses fonctionnement, la masse salariale ne peut pas diminuer. On va voir que nouveaux véhicules, si toutes choses étaient égales par ailleurs, c'est comme ça fonctionner. Mais regardez comment la politique fait dans le pays, pas le bon paquet de bagages qui va venir encore. Et pas oublier qu'on va payer dette là, sérieusement qu'on est là. Le ministre financier a dit besoin de 8 millions de dollars américains par mois pour payer Venezuela. Non, 8 millions de dollars américains, c'est le chef ministère des Finances, par mois pour payer Venezuela. Parce qu'on arrive à un paiement d'être là qu'on est là. Donc, regardez ça, tout ça va être dans des postes fonctionnement pays. Donc, ça ne peut pas passer le ça. Pas prêter comme pour dépenser d'investissement. Donc, c'est pour le don, pour le support. Oui, mais si vous n'avez pas investi, est-ce que qui danger représente représenter comme si vous êtes capable vraiment de faire croissance économique? Si vous n'avez pas investi. Non seulement croissance économique, mais problème social et tout. Social, oui. Parce que vous avez quoi à un de 1,5% sur le plan démographique. Vous avez un petit monde qui n'est pas à l'école, vous avez un petit monde qui encore. Il faut gagner l'école, il faut gagner la santé, pour l'environnement, choc quoi pour chaque année. Yo. Donc, c'est pas bon, facile que là. Et comme recette, le gouvernement espérait rentrer 70 milliards de gouttes. De gouttes. Donc, 70 milliards divisé par 70 gouttes, ça va à peu près 1 milliard de dollars américains. Mais c'est espérer rentrer. Oui. Ça ne va pas le dire à montrer. C'est une projection. Une projection. Et le plus, on ne va pas montrer. Donc, si vous espérez rentrer comme ça, il ne va pas rentrer après faire des pensions, il ne va pas avoir un déficit. Déficit, ça, qu'est-ce qu'on va financer? La Banque centrale. La Banque centrale, ça va le financer avec good. On va le mettre en masse good dans l'économie. Hein. Pas grand pile de dollars qui est en face, puisque on va produire, on va exporter. Donc, c'est ça va être évidemment, c'est important pour nous. C'est la diaspora qui vaut 2 milliards de dollars pour nous. Or, nous avons un déficit de plus de 2 milliards de dollars américains. Importer pour plus de 4 milliards ou exporter autour de, 100, de 1 milliard. Pardon. Donc 3 milliards, ça, ou 1 milliard, pas de monde qui couvre le pot. Donc c'est parce que la capacité de la circulation. Donc il y a le taux de change qui a augmenté, le dollar passé à plus de 70 gouttes. Et lorsque le dollar est plus cher, on va importer inflation. Donc mes spirales dangereuses qu'il a, il n'est pas senti vraiment du côté des nouveaux élus, particulièrement au niveau de l'exécutif, une tête chaude. On a dit pour les problèmes le plus rapidement. Mais pour qui raison d'après vous-même projection en fait d'entrée gouvernement n'est pas capable d'atteindre. Pression fiscale. Son pays qui ne pas payer taxes. Pour ne pas être menti, chiffre là. Sous chaque 100 gouttes que le gouvernement gagne dehors, il n'y a pas comme qu'il peut le faire. Nouvelle taxe, non? Comme là, il dit c'est transaction qu'il a fait, taxe sur chiffre d'affaires TCA, des impôts sur le revenu qui là que supposé connecter, il est moins que 15%. Sous chaque 100 gouttes d'entrée, moins que 15 gouttes. Donc, lorsque vous n'avez pas qu'à entrer comme ça, eh bien, vous avez deux manières là, dépenser après, vous avez des gouvernements qui viennent, vous avez des budgets qui vont dépenser l'argent. Donc, il faut les faire. Monsieur, est-ce que dans le cas ça, son problème administratif, c'est la capacité de l'État à collecter, ou bien c'est le refus des contribuables, particulièrement les grands contribuables? Les deux. Okay. Pas qu'on paye, mon nom est payé taxe. Si vous n'avez pas de gain, reste de bon, vous n'avez que ça va fort. Le coût de ne pas payer est trop cher, vous préférez me payer, ça c'est une. Mais l'État a très faible tout, la collecte, là, la gestion, l'efficacité. Là. Et même ça, notre nous gérons mal. Donc, ce n'est pas difficile. C'est la, l'efficacité, l'efficience, il faut montrer comme là, il faut mettre un rapport de comme que là. Mais nous voyons comment le budget est fait, nous voyons comment le supérieur des comptes a fonctionné. Donc, les mécanismes ne sont pas respectés. On va aller les marchés publics. Le marché public, là, c'est dépenses que l'État va le faire. Ou tu as supposé faire de manière transparente. Mais, dans 30 dernières années, chaque gouvernement, il y a des gens qui sont à côté, il y a des équipes de businessmen. Après, le marché public est octroyé sans ça. Donc, corruption en vie de manger. Donc, là, on prend désastre naturel, instabilité politique et la corruption. Voilà le cocktail qui vous donne ce résultat. Mais est-ce qu'à une certaine époque, pas de gagner et un projet de modernisation du système de collecte pour taxes, impôts, etc. Et entre la DGI, le ministère des Finances qui est pensé,
pour qui ça, ça a finalement, il n'a pas jamais abouti à 100%. Il y a les réformes publiques qui sont là, okay. Que nous avons mis tout le temps, c'est ça qu'on a dit là, comment pour augmenter les recettes, on va gérer, comment pour bien gérer. Mais si on regarde même au niveau du ministère, là, les comptes et les trésors, qui sont supposés uniques, sont peut-être chargés, ben, entraînés. Je me rappelle, monsieur là, mon terrible moment même, sans rire les comptables publics, il était besoin de retirer. Donc c'est exactement le côté que la population, la société civile, pas vigilant, watchdog, là, pas fait job ça. Mm-hmm. Pour qu'on ait une petite classe comme ça, qu'on a 70 milliards de gouttes là, nous pas capable de gérer le mal. Donc l'on pas de gestion ça. Et Haïti, il y a une réputation ça. Il y a une étude que la Banque mondiale fait qui montre qu'il y a une très mauvaise gestion des dépenses. Dépenses d'investissement qu'on fait ou mal gérer, pas de supervision. Il dit que c'est ça check and balance. Il y a veillé sur l'autre. Il dit que le gouvernement fait un budget, le Parlement n'a pas passé, le gouvernement lui-même il a une provision qu'il met en place. Un décret en 2005, il met le budget en place. Il dit, même sous Martelly, il n'y a que il n'y a pas passé, il ne préfère pas passer parce que c'est une modification qui portait là-dedans. Il dit que nous ne pouvons pas gérer de manière normale. Best practices là, pas là. Mais comment on met l'ordre, mais comment il n'est pas là. Et tous les gouvernements confondent du bon résultat ça. Donc on a une population qui retrouve que les services publics de base ne peuvent pas fournir. Si on fait un coup d'œil, on va analyser le budget de la République au cours de ces 5-10 dernières années, quel on va peut-être moi-même personnellement qui attire l'attention, la priorité par secteur ou bien par département ministériel, comme d'accord plus général. Je ne comprends pas, par exemple, un ministère comme le ministère de la planification, qui n'est pas en principe le ministère d'exécution. Non, rien. Pour qui ça, de fois, voilà même 14% du budget. On fait la petite histoire. Vous rappelez les petits projets de la présidence. Oh, ok. Aristide. Okay. Donc, ils font un paquet de tollés, parce que la présidence, là, vraiment, sur même sur ce dia-là, il n'est pas bien pour l'exécuter. Il dit que la constitution est claire. La présidence, ça, c'est. Chairman gouvernement, c'est un l'air courir, c'est premier ministre là qui même chef d'orchestre. Exactement. Yeah. Chef d'orchestre. Par exemple, on va dans le bail, ça fait tout bouillir. Il va le traverser par la suite au niveau de ministère plan. Et là, ça va commencer à suivre qui est-ce qui était ministre plan. Qui tout premier ministre. D'abord, Belrive, premier ministre et le ministre plan de ça. Et il va le poursuivre avec Laurent Lamothe. Parce que lorsque il n'est pas capable de dépenser au niveau de présidence, de traverser la planification, qui en général c'est l'homme du président de la République. Donc voilà tout élément. Ça aussi dit là qu'il y a des ministères qui pas des ministères qui pour exécuter une série d'activités. Comprendre comme là ou mettre ou créditer un ministère qui est supposé faire travailler ça. Pour parler qu'on y a 10 sur par exemple, qu'on y a là, autre ministère plan. Avec présidence, avec les travaux publics, donc des ministères qui. Bah là, et pour suivre des comptes, tu as supposé les mettre l'autre dans ça. Donc des autres, ça, une bonne, mauvaise gestion et la situation financière qu'on a posée. Yeah. Et bien là, on regarde comme si par secteur, on va comprendre par exemple, quand on regarde le budget du Palais National, on regarde la primature, du ministère de la Justice, etc. On prend ça ensemble et on prend et primature, c'est parce que par exemple, il y a encore. Oh! Nous ne parlons pas de l'éducation nationale, nous ne parlons pas de la santé, nous ne parlons pas de l'agriculture. Nous avons quelques chiffres rapidement. Et le ministère qui était connu plus comme. D'ailleurs, on a parlé de un homme qui était marqué pays ça pendant 10-15 dernières années. Il y a eu M. René Préval, comme on connaît, qui mourit. Et bien, René Préval, la petite histoire dit que M. le président, M. Font traverser les frontières parce qu'on est président de tout. Alors, M. Lodboa, il a rencontré M. Balaguer qui dit quoi que la meilleure façon pour songer, c'est à travers la construction. Il dit qu'il faut faire route, il faut faire l'école, il faut construire. Maintenant, le René Préval vient ici, René Préval entrer avec le conseil Balaguer, ça, il va influencer le budget de René Préval. C'est plus comme le travail public. Okay. Lorsque M. Madel est arrivé, M. Matéli fait un paquet de projets que Préval a commencé pour finir, qu'il a fait déjà. M. Matéli, dès son premier mois, a commencé à inaugurer le projet sans qu'on ne puisse faire rien. Et là, M. Rebaï, c'est comme ça. Et il y a une bonne visibilité. M. tout continuer avec les travaux publics comme le ministère qui recevait beaucoup plus d'argent. Mais Matéli, avant le dernier budget, a commencé à changer avec l'affaire éducation. Second. Donc c'est ainsi que je vous dis à la, c'est le ministère de l'éducation
qui gagne plus comme dans le budget, à peu près 21 milliards de gouttes. En deuxième position, on pourrait gagner travaux publics autour de 15-16 milliards de gouttes. Maintenant, lorsque le ministère de la Santé, à peine 6 milliards de gouttes. Donc, qui veut dire? Avant ça, de n'importe qui était presque représenté, si pas tombé de n'importe 10% du budget national. C'est ça. Et ça fait que je vous dis, qu'est-ce qu'a bon service santé? C'est d'abord la population qui est pauvre là, qui achète service santé. Chaque 100 gouttes qui dépense dans le secteur santé, à 30, c'est les familles. Et quelle famille qui revenait pour vous? Tu imagines? L'État dépense moins que 10, 30 plus 8, bon, 38 gouttes. 62 gouttes qui étaient là, c'est l'international qui a bâillé le secteur santé, l'argent en la pays. Agriculture, il y a à peu près 7,7 milliards de gouttes. Quand on va le descendre dans la justice, qui va le retrouver autour de 11,4 milliards de gouttes. Après, on va joindre qu'il y a des ministères qui ont les ministères du tourisme, moins que 1 milliard, ministère de l'environnement, moins que 1 milliard. On va le retrouver qu'il y a la présidence avec plus que 1 milliard de gouttes. La présidence est plus comme le budget et l'augmente considérablement sous la présidence de Martelly par rapport au ministère du tourisme, par rapport au ministère de l'environnement. Et on va joindre là la primature, qui est quelques bureaux qui est attaché à lui-même, qui est encore à un niveau beaucoup plus supérieur. Donc, il y a deux têtes, ça, j'ai une constitution à mettre en place qui coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est tout élément, ça, pour nous garder la constitution, ça le coûte à pays. Pas simplement. Je vois que le Parlement voulait développer, je dis, alors, une sorte de dictature, que tout le bagage est valide, parce que c'est le canon de président, le canon de premier ministre, mais le coûte également à la nation. Ce Parlement nous coûte chaque année, puisqu'on n'a pas eu le budget, 3,3 milliards de gouttes. Quand il y a sim divisé nombre de projets de loi qui passent, proposition de loi présentée dans le Parlement, on va regarder combien ça coûte par projet de loi au niveau de ce Parlement. C'est un Parlement qui est extrêmement budgétivore également. Et quand il y a un contrôle les hautes, côte haute là, c'est notre tête chargée que vous présentez. Côte haute là, supérieure à un ensemble de ministères en Nabéia. Et plus que 20 milliards de gouttes. Et qui monde qui a une décision pour décider, pour comme si l'agence a voulu pour le débloquer? Mon cher, on n'a pas besoin de comptable pour qu'on ait que, quel que ça soit fait, ou toujours mettre un cob, pour si bon problème. Autre là qui a représenté peut-être 5-10% maximum. Oui, oui, oui. Mais lorsqu'on compte autre gosse, ça. Qui vient de même. Sauf par exemple le ministère de l'Environnement, ou prend peut-être affaires sociales, ou bien on prend affaires sociales, ou prend la femme, le ministère des femmes, etc. Ça va bien l'argent. Quand il y a ça qui parle d'arriver, lorsque ça dans le Parlement, on est comme faire sortir le Parlement. Mais c'est parce que bon, ça nous appelle la collusion. Bon entente qui fait entre Parlement avec l'exécutif là, pour c'est contre ça qui va gérer une série de problèmes. Et c'est la plus grosse complicité des pouvoirs de l'État, le législatif. Et l'exécutif sous tête population. Parce que c'est là-dedans, quel que soit le problème qui vient pour le sénateur, pour faire l'école, pour faire champêtre. Oui, mais ça, ça veut dire que le sénateur pas faire l'école. Pas l'exécuter. Et député tout. Gon le bon ministre, dont je te dis le nom, te dit, yon sénateur, t'as fait paquet de bruit, bah, comme ça, côté, yon j'aime comme là pour faire ça. Le ministre répond, il dit, même côté qu'on aime bon joignir pour m'baoul pour activité pour yon. Donc, c'est ça qui fait que tout un population, pas que les régions et société civile là, pas organisé ce rôle de watchdog pour veiller, pour être capable de prendre un chien de garde, qui n'a pas su que comme la dépensé, comme un cobblier, son petit comme qu'il a pour gaspiller comme ça et dépenser le mal comme ça. Donc, population va vivre mal et on va voir le Parlement lui-même, il y a même un certain luxe parce que il y a de l'argent dans le meilleur pour dépenser. C'est là pour des secteurs, puisque nous avons tourné sur les grands défis et pour exécuter ça. En nous pensons que côté l'État obligé, c'est le même cas, mettez l'argent dans un secteur qui n'a pas marché, qui n'a pas joué de service, population pas joué de service, c'est au niveau de l'électricité. En moyenne, combien comme l'État obligé injecter dans EDH ou bien dans l'énergie pour nous gagner, ça nous gagne qui pas même 15 heures ou bien 20 heures de temps courant à l'ensemble de la population. Je fais semaine ça, dans l'émission PAM, je rencontre avec le directeur et responsable dette du ministère des Finances. Là. Responsable dette du ministère des Finances. Là. La dette d'Haïti aujourd'hui est estimée à plus de 2 milliards de dollars américains. Une dette qui était réduite à 600 millions de dollars américains en 2008, lorsque Haïti,
faire pression sur l'international là, leur mécanisme sur les PPTE, pays pauvres très endettés. Haïti est un pays pauvre, mais Haïti n'est pas endetté. Parce que leur dette de 2 milliards de dollars américains. Pour une population, il y a pour une population de 10 milliards. C'est pas grand chose. Tu vois? Maintenant, nous dit plan, faut nous retirer ces dettes là, gros pression faite, je vais faire ces dettes. Maintenant, si je vais faire ces dettes, pas un problème, non. Bon, on peut le faire 10 ans. Donc, pas capter trop l'argent. Bon, ça, c'est même principe. Il n'y a plus qu'à mon part. Exactement. Ou pas solvable. Je ne suis pas capable de prêter 200 dollars, pas carré mettre. Il n'y a pas besoin. Il me faut garder le coblin. Quand il y a un mois prochain, on tourne, il faut besoin de 200 dollars. Quand même, il faut qu'on jette, c'est ça qui passe. Donc, dans ce sens, Haïti, dette a été réduite à 600 millions de dollars américains, la dette externe. Avant de mettre l'équité là, en 2011, il était autour de 600 millions. Je dis à la dette là, rien que pour le Venezuela, c'est le principal créancier, vous savez, le créancier, pays qui bonne crédit, qui bonne compte. Il dit que 1,7 milliard de dollars américains. Et bon, l'autre 500 millions, Cap Flané, l'autre bagaille, l'autre pays, Taïwan, autour de 2,2 milliards de dollars américains. Mais, pas de problème qu'on peut être compte. Maintenant, qui ça le fait pour vous? Dette, c'est un coup. Cholestérol, gain bon cholestérol, gain bonne dette, gain mauvaise dette. Eh bien, nous prenons comme Petro-Caribé. Nous mal gérer puisque pas de rente banque fait tout, parce que c'est pour mon dos Petro-Caribé. C'est différent ça, mon Dieu, pas comprendre. Si c'est cadeau, il faut cadeau. Oui. Ou nous gaspiller. C'est un prêt. Et vous l'autre bois, vous faites un cadeau 100 dollars, il va pas être moi. Ah, mon cher, remettre-moi comme moi. C'est cadeau, il fait un cadeau. Mais si c'est 100 dollars qu'on prête pour me remettre tout, il faut me faire comme le travail. Donc si manger, il n'y a pas qu'à remettre tout, ça pose problème en quelque sorte. Donc voilà ce pays qui se retrouve dans une situation avec cette dette. Bien que ton intérêt n'a pas élevé, les moins que 2% sont prêts concessionnaires reliés. Mais tout le champ a tué nous. Parce que Venezuela, il faut remettre-moi comme moi en dollars américains. C'est normal. Parce que Venezuela, il passe tellement. Des problèmes pas après le bon comme ça, sous période de 25 ans. Encore une fois, on recycle le nom de M. Préval parce que c'est sous Préval que le COBRA a commencé. Donc, Kounia là, nous prenons la meilleure période Petro-Caribé, lorsque le prix était supérieur à 100 dollars américains, nous étions entrés pour nous donner un budget. Pendant les 3 à 4 premières années de la présidence Martelly, le pays a gagné plus que 20 milliards de gouttes par an au niveau du mécanisme Petro-Caribé. Les prix bas du pétrole là, on rapporte très bien le BCO. On rapporte très bien. Où vivre le. Ah oui. Où est comment. Prix à l'heure, on diminue. Il était en bas 50 dollars, il était en bas 40 dollars. Donc, Kounia là, le passé de 20 milliards à 10 milliards, l'année dernière, nous avons seulement 5 milliards de gouttes de pétro-caribé. Or, vous avez posé une question tout à l'heure, je réponds par la pression fiscale qui est faible. Donc, c'est extraordinaire, après tremblement de terre, où il y a la baisse de manière considérable, il n'y a pas même 500 millions de dollars américains. Financement budgétaire a diminué à partir de Petro-Caribé. Donc, voilà ce pays dont les ressources ne cessent de diminuer, pendant que nous avons le même train de vie. On travaille, madame, on travaille, nous faisons petit. Voilà, pas comme mal. Nous faisons deuxième petit, madame n'a pas dit de plus. Hé, il faut voir justement que vous faites là. Et c'est exactement, nous continuons à faire petit, mais. Devenez pas qu'on y a même job pour l'homme et tout. Donc qu'on y a ses parents qui ont beaucoup. Mais comment que nous voulons vivre dans le pays ça? Et réellement, ce n'est pas compliqué. C'est arithmétique, c'est comme qu'on entre, c'est comme qu'on sortit. Nous pas travailler pour entrer plus, nous sortons beaucoup plus. Libre déficit, déficit, qu'est-ce qui finance? C'est banque centrale là, en mettant des goûts dans la circulation. Avec qui impact qu'on y a sous goût là? Taux de change, inflation. Et voilà ce pays qui se retrouve dans une misère. Nous avons à peu près, en 2012, 25% de la population en situation d'extrême pauvreté, qui veut dire que nous avons autour de 2,4 millions d'Haïtiens qui sont en situation d'extrême pauvreté. Choc qu'on prend dans le Petro-Caribé, choc qu'on prend, nous sommes capables de dire, dans le Matua, mais aujourd'hui, autour de 30% qui paguent 1 dollar américain par jour. Ou bien plus de 60% de la population qui paguent 2 dollars américains la poche par jour. Donc voilà des chocs énormes. Qui a dérangé la population de manière considérable. Maintenant, pour revenir à la question concernant l'électricité, le directeur de la dette dit comme ça que vous avez 1 milliard de gouttes qui ont été supposés entrer dans le niveau de taxe au niveau pétrole. Parce que c'est une meilleure taxe signée pour payer parce que ça n'a pas négocier. Des fois, là, pour plein, il faut payer. Maintenant, le fait que le prix a baissé, vous avez dit bon vous, mais tout changement qui a augmenté, et depuis quelques mois, pour y recommencer à augmenter, on prend un double choc ça, et ne pas jamais ajuster la pompe. Lui dit ça que dans le mois de février, nous avons seulement 9 millions de gouttes dans la taxe produit pétrolier. 9 millions. Alors tu es supposé plus que 1 milliard.
Donc, lorsqu'on retrouve la situation, ça, on va subventionner. Subventionner, bien. Il dit, moi, je vais payer le gaz là, ou dit, non, mon cher. Je vais payer 2 dollars, ou dit, mon cher, je vais prendre 1 dollar. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas faire gazoline du tout lui-même. Parce que les gens qui situent en pile, qui très très ne pas des machines, pas ouais, ouais. Après, les gens ont payé pour nous dans les 8 millions de dollars américains de Petro-Caribéen. Bah, ça fait un pile bruit, mais c'est un mécanisme qui retrouve avec les produits pétroliers que nous achetons tout. Venezuela, il y a une faiblesse que nous avons. Tout ça est bon, nous prenons. Il y a des cas de rebours, nous avons empoisonné. Donc, lorsque je achète les produits pétroliers, après ça, je subventionne, ensuite je mets l'électricité. L'électricité a plus que 250 millions de dollars américains de subventions au niveau de l'EDH. Que ce soit par la mauvaise gestion de l'EDH, que ce soit par des mauvais contrats signés avec des acteurs indépendants pour produire l'électricité. Parce que bon, série de films, qui ça a fait? Ils produisent l'électricité, ils disent les temps mettre une brûlée, ou ils disent à ramasser comme la dehors. Et comme ils n'ont pas payé souvent tout, ils ont pile combien de temps. Elle a dit qu'au point de vue administratif, c'est l'État. Qui retrouve. Mais l'un dit l'État, c'est l'ensemble. Il y a des gens qui pensent que ah, c'est... Non, c'est l'ensemble qui va être victime. Mm-hmm. Donc, il y a cette mauvaise foi, cette mauvaise gestion, que ce soit syndicaliste qui va aller changer les gens fonctionnent dans la DH là, et d'autres gens qui ont des intérêts, parce que trop souvent maintenant, je dois trouver un syndicat, mais il y a d'autres gens qui bénéficient considérablement de cette manne qui se retrouve au niveau de l'électricité. Et l'électricité, c'est qui ça? Moins de 30% haïtiens. Qui gagne accès à l'électricité et la plupart se retrouvent dans le département de l'Ouest. Donc le reste du pays est en train de subventionner les gens qui sont basés dans le département de l'Ouest là pour être capable de jouer. Déjà un bon jour. Ouais, qui gère une situation comme ça, par exemple, pour nous sortir là dans la question électricité? Des réformes. Il y a des réformes qui peuvent faire dans le pays ça. Il faut un président qui monte à un gouvernement qui prend responsabilité. Parce que pas de monde qui demande nous dans l'élection. C'est bataille à bataille. Donc, on y a fin de prendre, il y a des responsabilités. Je vous dis, M. Soti font un paquet de promesses après l'un de ce pouvoir. Il dit, oh. Et comme un paquet d'intérêts divergents, même dans le secteur des affaires, là, on y a voilà un président qui retrouve en dans le palais national là. Mais notez, pas des engagements qu'il te prend, et que les intérêts ne pas toucher. Mais et pour les contrats, par exemple, qui ont été déjà signés dans le cas d'électricité, est-ce que ça c'est pour une décision politique légalement? Dans l'administration, ça n'a pas qu'entré là-dedans. Mais moi, je pense que il n'est pas dépendant seulement des acteurs politiques. Okay. Il faut que des acteurs économiques qui ont bénéficié pendant les 10 dernières années de contrats, parce que juteux, de systèmes, il faut être capable de dire bon, ben, ça n'est pas capable de vous payer. Parce que même pour vous, le pas bon. Comment dire que là, au fond, bon comme l'électricité. Mais si que ça empêche que le reste pays a fonctionné, parce que l'électricité n'est pas capable de passer de lui. Ou pas capable de faire agriculture sans électricité, je veux dire. Ce qu'on essaie de regarder, ou à piquer, ou pas dans l'agriculture. N'en parlons pas de l'industrie. Donc, en tant que l'électricité a piché, on a perdu compétitivité. On a perdu compétitivité pour lui. Et bien, lorsque on y a la produit qu'on fait en Haïti, on coûte piché que la République Dominicaine, que j'ai on ne va pas exporter. Ça va nous comme si mon économie, mais ce n'est pas qu'elle bonne baille. C'est pas normal. Il dit, tout le monde dit que les affaires là-bas, ça. Bon, c'est le bail Abdou, main-d'œuvre à bon marché. Ça ne se dit plus. Une main-d'œuvre à bon marché, vous dites, son main-d'œuvre à problème lié. Parce que son monde ne peut pas payer et que le monde ne va pas qu'à produire. Il est frustré. Pour lui, il avec son tête chargée. Il n'y a pas qu'à coût de transaction qui est extrêmement cher pour lui. Si l'argent est touché, il n'est pas capable de servir. Donc, on ne dit pas une main-d'œuvre à bon marché. Tout comme monsieur qui bénéficie, monsieur dame qui bénéficie de l'énergie, supposé comprendre, il a fait au propre détriment par eux, pour la simple et bonne raison, en tant que prix d'électricité à pichet par rapport à la République dominicaine, par rapport à la Jamaïque, eh bien, produit Jamaïque et la République dominicaine a coûté meilleur. Ça, c'est juste pour d'abord, mon travail d'émission, une idée. Quoi l'électricité en Haïti, c'est à peu près combien de liens? Est-ce que le varie en fonction de qui compagnie, qui a vendu des âges, etc. Ah, oui, certainement. Parce que contrairement au fait à différents gouvernements. Ok. Et qu'on y a, ils ont refusé de mettre sous table là deux dossiers pour nous dire bon, on ouvre ça. Et c'est pas seulement Haïti, ça arrivait, mais depuis Dominicaine, l'électricité n'est pas plus chère que Haïti. D'ailleurs, Mbaldou, les années 80, Dominique, tu as commencé à gagner un problème avec l'énergie. Même en Haïti, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est une compagnie extrêmement bien gérée, qui t'a bâillé des bons résultats. Maintenant, ça, Dominique est obligé de faire parce que son produit extrêmement sensible, ils font un pack d'électricité. Ça, pack là, ils sont un truc qui va faire dans la société avec tous les acteurs, ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes. Pour nous dire, si nous continuons comme ça, l'économie du pays n'a pas qu'à avancer.
Pour jouer au football, il faut gagner ballon. Donc si nous entendons crever ballon, ça va jouer là. C'est parce qu'on entend ça que fait dans le pays d'Haïti. C'est dit que c'est comme si nous n'avons pas compris l'intérêt collectif là. Mais pour qui ça n'est pas capable de entendre que le syndicat, que le monde qui a besoin d'électricité, il dit non, on préfère jouer sans ballon. Donc c'est dans ça nous arrivons là. Donc tout un bafon pack au niveau de l'électricité pour que les firmes indépendantes privées qui ont besoin d'électricité, pas dit que bon monsieur, dame, Anchita, on regarde comment nous devons faire. Bon, moi, ce qu'on peut être, mais pour être capable de plus d'électricité. Parce que il y a l'autre business qui a souffert de ça. Et le syndicat lui-même, il faut le comprendre que le pack a qu'un bien, mon anotage. Donc, lorsqu'on a deux parties, là, la population se retrouve dans une situation extrêmement divisée. Et dossier ça, qui ça, en dehors de l'émission, là, que une fois, monsieur, il m'a attendu sur Internet, etc. Qui ça, dossier ça, je pas vraiment. Le constitue ça d'aller vraiment le débat national en Afrique. Pas mieux fait quelque chose dehors. Débat ça fait à un niveau, on est capable de dire normal en pays côté. Ici là malheureusement, ça n'est pas capable de beaucoup entrer dans le mœurs pour nous, pour qu'on ait que politique là, son sport qui pas spectateur l'offre de voter. Ok. Donc football il y a 22 monde sous terrain, 80 000 monde qui il va brûler même. Ouais. T'as dit que politique là. Ou pas qu'à faire comme ça, parce qu'il y a des intérêts cachés. Donc tout autant que il n'est pas réellement retrouvé dans les débats au niveau du Parlement, pas même d'abord au niveau du Parlement, pour arriver, pour connaître qui intérêt que X gagne, Y gagne, eh bien, terme ça ne m'a pas traduit en français, ça s'appelle chronicapitalisme. Okay. Chronicapitalisme, c'est le côté que bon groupe qui parfois acheté une série d'intérêts et monde qui sous pouvoir. Il n'est pas capable de délivrer malgré faire code promesse de yon. Ça veut dire que mais lié. Mais lié. Okay. Mais lié. Et je crains que ce n'est pas une situation comme ça. Aujourd'hui, à là, il faut que M. Moïse soit capable de montrer que la réforme, ça ne s'est pas fait. Toute promesse, l'eau, terre, toutes ces blagues. Et l'autre secteur, vraiment, je pense qu'en cette époque, la croissance était très, très, très impliquée là-dedans, c'est le secteur de la technologie. Jusqu'à présent, à travers la conférence en Europe, sur finance, et l'année dernière, on a mis des technologies là-dedans, etc. Dans quel point a été par rapport, parce que quand on parle d'économie, et toujours, ce n'est pas aux têtes seulement, c'est par rapport à mon people là, par rapport à la Caraïbe, qui vient nous situer au point de vue technologique, comme si on a parlé de au monde numérique, côté nous lié. Mon cher, c'est dommage que le pays, dans les années 90, lorsque l'émergence s'est faite au niveau de la région, a été pas en retard. Quand monsieur le Chilien Jean-Baptiste, en 1991, que moi j'ai rencontré en République Dominicaine, je parlais de nos barrières d'Internet. Quand le Chilien, je crois que c'est bien, monsieur. On parle de 27 ans de ça. Tu vois? Ok. Là, je commence à comprendre ça. D'ailleurs, je suis dans l'université en 1985-86. Et je commence dans l'ingénierie électrique, le bol, la programmation. Après 91, je commence à débattre avec MKPZ. Toute la programmation est extrêmement simple. Donc, je n'ai pas fait ça dans l'université. Mais, là, il a couru tellement rapide. C'est de Chile que le groupe Croissance, vous parlez là, nous entrons avec un projet de l'Infotel. Il marche à travers le pays. Il y a un changement qu'on a fait là, on profite pour lui. Donc, Haïti n'est pas en retard, ni par rapport à la République dominicaine, ni par rapport à la Jamaïque. Donc, tout le monde est capable de bénéficier de lui-même. Mais malheureusement, les politiciens ici, la vision était trop courte. L'un commence à faire un Infotel ici. Nous sommes obligés à demander au directeur qu'on a de l'autorisation pour nous faire un professeur. Il ne m'a pas le 95-96. Demander l'autorisation pour nous mettre des réseaux à l'internet, pour nous parler d'internet dans la province. Mais faut, pas mieux sur Badia, mais il faut me dire, en attendant, c'est que même qu'on a fait ça qui est créé depuis les années 70, il n'y a pas vraiment de structure ou bien même pas de même le cadre légal pour le réguler. Ça qu'a fait qu'on y a là. On est que. Régulation qui est là, je ne sais pas si commerce électronique, parce que ça va être surtout où ça va passer. Régulation qui est aujourd'hui pour télécommunication, on va parler d'Internet. Datée de Jean-Claude Duvalier, 1977. Qui voulait dire que Internet vient en 90. Donc nous n'avons pas même rien que nous faisons pour ça. Et ce n'est que récemment, il y a réussi à mettre le commerce électronique là, mais toute la communication, loi infrastructure, il n'y a pas là aujourd'hui là. Donc, nous ne pas comprendre la nécessité pour nous mettre les règles du jeu. Si nous avons 3 contre 3, 100 habits, nous avons basketball, nous avons plus de temps pour parler de basketball. Il faut
faute là. Alors regardez comment on parle, comment on veut. Mm. Mais lorsqu'on habite qui est souterrain, on respecte l'habit là, bah plus fluide. Oui, mais si habite là lui-même, comme si loyaux n'a pas existé, comment par exemple le Conatel peut réguler un secteur alors que structurellement, comme si d'ado, loi organique n'est pas même permettre de faire ça? Exactement. Donc quand on vient d'entrer, le tomber, la salle n'est pas capable de brûler, ou décider pour tel monde, pour tel autre monde. Et au parlement de la Conatel, il n'y a pas deux scandales qui ont passé. Tel dicteur, telle parole. Et c'est là qu'on continue avec même la corruption qu'on a parlé là. Lorsque les normes ne sont pas définies, lorsqu'il n'y a pas les meilleures pratiques, ça qu'a fait dans zone n'ont pas mettre en place, ou pas une loi télécommunication, ou pas une loi sur l'énergie, donc comment peut-on gérer? La politique n'est pas différente du sport, il faut une norme. Capitaliste n'est pas là. S'il n'y a pas une discipline, s'il n'y a pas l'aspect juridique de la question, le respect, le droit, ou pas qu'à faire capitaliste. Je connais là, il y a un problème de capitalisme, mais oui, c'est un anarchie qu'on fait là. Je me forme tête ou pour le gouvernement, je me porte l'avantage. Et parlement, papi, pour passer ça, non, parlement lui-même, il va favoriser aussi les bagages. Donc, nous parlons des comptes de budget. Qu'on y a, ouais, pas oublier esprit comme émission, non, pour le public n'a pas perdu. C'est les défis du prochain gouvernement. Et pour le moment, il faut que un capital social qui est beaucoup plus solide. Et où est-ce que dans tout ça, là, quelque chose, point de main, il y a un problème de loi, un problème de normes, un problème de standards. Nous, en Haïti, ça ne va pas faire, nous ne pas respecter. Et, papa, c'est ce secteur politique là qui a intérêt pour ça. Il y a des gens qui sont dans le secteur économique qui ont quitté les bagages comme ça. Parce que ce sont les principaux bénéficiaires. Quand il y a un problème, les repères du Kounia, quand ils viennent, ils disent qu'ils ne vont. Donc, tout autant que. Il y a cette collusion, vous avez un thème en pile pour vous. Il y a collision, collision, oui, choc, oui. Collu. comme vous préparez les français en pile, vous expliquez vous ça. Ils sont en tête qui gagne pour dire qu'il n'est pas à la marche, ça va déranger. Ça dérange. Donc, il y a un petit groupe qui bénéficie des citoyens qui ont le pouvoir et le secteur des affaires. Il y a la grande majorité sur cette situation. Non, je ne vais pas faire comme si peut-être. Effrayez-moi, mais on a fini l'émission avec un chiffre. Nous sommes très intéressés à la jeunesse et en plus l'activité de croissance tournée vers l'avenir pays. Il y a à peu près 300 000 jeunes qui parlent chaque année sur le marché du travail. Et puis, qui l'a gagné dans la rue? En tant qu'économiste, quel danger ça représente pour vous? Bon, Mandou, quittez. Les États-Unis à 25 ans d'âge, fini l'université, je dis, je descends en Haïti, jeune garçon, nous allons changer de pays. Où est-ce qui s'allie 85, 86, tu vas aller tomber, ou dis, bon, le pays va changer. Il y a 57 ans, il y a 32 ans. Je ne vais pas dire que je vais réussir individuellement, entrepreneurship, technologie, film de consultation. Mais là, je regarde des volumes de jeunes que nous quittons à côté. Pour qui ça? Parce que en dans le pays d'Haïti, quel que soit le gouvernement passé pendant tout le temps, moi tout, et les gars ensemble de jeunes, cap quoi, parce que son population est extrêmement jeune que lui, et c'est ça qu'on pose une question, on va regarder qui opportunité, t'as qu'à faire une place moyenne. Tout en battant avec le secteur des affaires, là, ma bataille avec le secteur politique, là, on est là, gigatoire. Parce qu'on a un budget de 2 milliards de dollars américains, à peu près, Jamaïque gagne 2,8 millions de monde, si on peut tout Jamaïque qui vient en Haïti avec eux, je n'ai même pas besoin de l'autre côté, la métropolitaine a ramassé tout. D'accord, même quand il y a là un budget 5 milliards de dollars américains, à côté de nous, depuis Dominicain, il y a un budget de plus de 15 milliards de dollars américains. Cette fois de 14. Fois. Donc, sous multiplicateur, quel était le PIB, quel était le budget, quel était les masses monétaires, eh bien, au moins 7 points et quelque chose en Haïti. À nous-mêmes. Et une population pas différente. Oui, oui. 66 milliards de dollars américains de produits intérieurs brut. Semaine ça, monsieur et Medina, on dit dépendance, c'est date qui descend au niveau de congrès pour se présenter, mais ça s'est réalisé. Mais chiffre ça, c'est des chiffres phénoménaux qui étaient capables de faire tout. Ouais. Donc, l'OPA prend potentialité ça. Il y a même une population jeune cap quoi, une classe moyenne, ou même, sur la question posée maintenant, tout le monde a été là. Et jeunes, ça, gagne pour diable. Si pas un espoir, la délinquance a augmenté. Gagne pour diable. Qui vivent là, où ça a passé pour nous, puisque même avant de te venir, pas de monter en l'air, il y a des descentes pour monter. Ou imaginez
de jeunes professionnels qui finissent là. Hein? Bataille qui était faite dans le même bureau avec Suriname dernièrement pour jeunes qui ont débarqué. Pas un côté premier. C'est juste que pas d'espoir là. Donc la réponse à la question là, elle regarde le film Valérie Nima qui montre comment que des Haïtiens désespérés descendent en Amérique du Sud, pas pour aller en Amérique du Sud, pour remonter. Okay. Mes amis, c'est la réponse à la question. Nous pas arriver à utiliser jeunes Haïtiens. Et m'a interpellé que ce soit le secteur politique qui a abusé la population ça pendant 30 dernières années. Tout bon. Avec un populisme de bas étage, parce que quelle gauche, quelle droite, c'est le populisme que nous faisons dans le pays. Non, nous faisons droite et gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Ou pour aller voir que des gouvernements de gauche qui font politique libérale, qui bien, ou pour aller voir gouvernement de droite, pour pas mater l'IA, qui entrent dans une série de politiques sociales, tant que. Et pas peut-être caribé non ça brise le et dans les poils et parfois faire mal et qui crée ça à la mort. Donc comment sortir, on va garder une réponse là, mais vraiment et on a regardé des jeunes, il y a deux trois qui émergent, mais classement il a presque disparu parce que tout choc ça qu'on prend il y a deux bails qui arrivent. Mon gars en base quand vous profitez de ONG comme assez comme dehors un petit bail en bas, mon gars les avait inquiété parce qu'il a fait des contrats, il a pris le cas, une économie très rentière, qu'on y a, ça que tu as mis en bon diable, s'il n'est pas capable de jouer un visa, la traverser ses frontières, la dégager pour caler comme un cassotier qui était misé ça, qui était l'enfer ça. C'est l'échec de pays et que j'ai vu en 32 ans que moi, ouais des opportunités, mais malheureusement, les politiques publiques ne sont pas en place. Les gouvernants de ce pays bluffaient considérablement par un paquet de promesses et je me retrouvais totalement déçu. Et la valace n'est pas trop content. Mais ouais, il a fait 3-4 élections. Mounio censé que la valace est responsable, donc c'est lui qui est arrivé. Son échec pour le tout. Mais ça que la Mounia là, qui bénéficiait de l'élection, si on continue dans le même jeu, mais ça, même et c'est la raison pour laquelle, à regarder combien de monde qui a voté en 90, à regarder combien de monde qui a voté en 2004, à regarder combien de monde qui a voté là. La population juste dit, ah, je ne sais pas, ça va être résilient, il y a voté un moins. Donc, démocratie a fait du dia à un petit groupe de monde qui croit toujours et nous retrouver dans cette situation. Ou bien qui est lié avec des groupes d'intérêt politique. Peut-être, peut-être, parce que il dit tout. En pile, 1000 groupes qu'on a pour nous voter pour tel groupe. Il faut regarder combien de groupes vous dépensez pour faire une élection, combien de monde qui participent. Parce que dans l'exercice, si vous avez un bon contact dans le KEPA, il faut regarder le volume de bulletins qui gaspillent. Parce que vous n'avez pas voté. 20% de la population. Regardez une population très jeune qui est là, lui-même, tout le monde voter, on lui a dit, je ne vais pas participer à ça. Et c'est un bel exercice dernièrement, puisque tu as quitté machine circulée, quitté monde fonctionné. C'est rare que tu aies des élections. Joue des élections. Car juste, on juste comme si Chita, devant la caillou, si vous voulez voter, elle voter, il n'y a pas fait des autres, il n'y a pas dérangé, il dit, ça n'est pas pour moi. Donc, ça a un coût extrêmement élevé, côté que Mounio associé démocratie à vraiment une grande déception. Avec les politiciens ici. Ou pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Parce que, danger que vigné, moun qui a l'argent qui a acheté votre là tout. Moun qui a l'argent qui a acheté pouvoir tout. Donc, comment remettre les gens, on est capable de dire, de la politique en Haïti, ce ne sera pas facile. Donc, la jeunesse dit, Abraham, c'est assez, bah, ça fait, non, on va participer là-dedans. Eh bien, merci beaucoup. Toujours plaisir, pas un mot positif, mais il y a de grands défis. Nous poser des problèmes sociaux, de dire que vraiment, et c'est pas facile de nous dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de déçus de tous les bords, gens que nous gérons le pays de 86 ans. Et je l'ai vécu, dans la Babdou, pas eu qui me détournait, mais il y a une grosse déception, particulièrement dans la jeunesse haïtienne. Merci. Merci. Et bonne chance à la caméra.